Bonsoir Nanterre, j'en profite. Mon oncle fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais rien avoir appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en racontant tout. Pour fabriquer une bombe, ah mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, ah, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication, mon père a une réaction de 3,50 m. Et à quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait pas son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, blablant, on fait soupirer et qu'il s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, ce n'est plus un cerveau, c'est comme la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bande. Mais je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Et y a quelque chose qui cloche là-dedans. Non ? J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia, et le pays reconnaissant les luttes immédiatement. Vous savez quoi? Non? Chef du gouvernement. Vous aurez reconnu la Java des bombes de Boris Vian.
technique. Les gens croient souvent le showbiz dépravé. Y'a pas que les chanteuses qui se font manipuler. Choisir de près sa plume et plume, essuyer les premières critiques. Choisir de près ses plus beaux costumes et pas jeter l'éponge trop vite. D'être une star, je gravis les marches de mon histoire. Je ne sais quelle sera l'issue, et si je suis sur la bonne voie, finir par mendier dans la rue, mon triomphant à l'Olympia. Les gens bien pensants commencent à m'agacer, n'ont-ils pas de rêve à réaliser. Faire de sa vie un vrai combat et tous les jours aller boxer. Ça change de mes grands-mamas qui s'ennuient tout seul sur l'évier. En attendant d'être une star, je gravis les marches de mon espoir. On va partir à la fête foraine si vous le voulez bien. Ouais. Ouais. Un garçon m'attendait en sifflant alouette. Je pris tout ce qu'il avait, le sourire bête. L'amour ça donne des ailes, on voit la vie renaître. Les gars au carousel n'est plus trop pris en steak. Tous les ballons du ciel protègent les amourettes. Le feu artificiel tombe et s'arrête. Thank you.